Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'opening sur mon petit compte. Du coup, on a quelques trucs à ouvrir avec notamment, et comme vous pouvez le voir, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu. On a des cristaux de fragments de catalyseurs qui vont sûrement nous permettre de compléter des cristaux de catalyseurs, enfin même des catalyseurs du coup de classe, et ainsi pouvoir monter Ghost Rider et Hulk Rouge en 5 étoiles R3. Donc c'est vachement cool, on a pas mal de SCH et on a également un petit 4 étoiles. Voilà, en espérant quelque chose de bien. Allez, on va commencer tout de suite avec les cristaux les moins intéressants. On a quelques SCH aussi de ce côté-là, hein. Ok. On a pas mal de cristaux de 4 d'alliance aussi, parce que la session va se terminer. Donc voilà, on a pas mal de cristaux. Cristal 2 étoiles. Un petit Deadpool. Voilà, comme on peut le voir, hein, ça augmente, mine de rien, ça augmente. Doucement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment le mot d'ordre. 31 cristaux de quête. La petite unité. Comme vous pouvez voir, les unités augmentent. Parce que là, on est en train de faire les queues. Hein, on est vraiment en plein dedans. Et du coup, donc toutes ces unités, hein, partiront pour le LOL. Donc voilà, le LOL que je pourrais bientôt faire si j'obtiens Proxima Midnight. C'est toujours le même problème. Hein, c'est vraiment dans l'optique vraiment de l'obtenir. Enfin bref. L'optique de jouer avec elle le LOL, mais en tout cas c'est clair et net que si je l'obtiens, elle va 5 étoiles R5 et elle me permettra de faire le LOL. Enfin, je ferai le LOL avec, c'est sûr. Oh, c'est chiant ça. Pas d'unité, du coup, pas d'unité. Ok, les petits cristaux de QA, donc on en a 2 de QA2, donc on fait très peu de QA2 maintenant. On fait beaucoup de QA3, comme vous pouvez le voir. On les a presque toutes terminées. Je sais qu'on a eu une petite défaillance à un moment, mais. On termine presque tous. Toutes, pardon. Et du coup, on a pas mal de cristaux de QA3. On a également des cristaux de QA4. Donc, comme vous pouvez voir, le cosmique avance. Mais ils nous ont pas donné de science et de mystique. Mais ça, ils pourront pas faire reculer l'échéance longtemps. Est-ce qu'on va compléter les deux? Est-ce qu'on va juste en compléter un? Telle est la question. On a complété qu'un pour l'instant. Donc on a complété le science pour Hulk Rouge. Et du coup, le mystique. Ah, il en faut deux mystiques. Ah, on l'a pas complété. On l'a pas complété. Eh bien voilà. Bon, par contre, science, du coup, il nous en redonne beaucoup. Comme maintenant, on n'en a plus du tout. Enfin, on n'en aura plus du tout. Et eh bien voilà, c'est du kabam tout craché. Cosmique, vous voyez qu'on va arriver bientôt également, on n'en aura plus que 2000. Si. Cristal de gloire. Peut-être. Peut-être qu'on aura la chance de pouvoir. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Alors, est-ce qu'on pourrait pas en acheter par là? Non, il n'y en a pas. Pour 1008 unités, on gagne combien? C'est une blague. 1008 unités, on gagne une moitié de truc. Non, mais. C'est quand même une blague. Hein. 1435, on gagne. Faut vraiment qu'ils revoient leurs offres. Hein, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Bon, tant pis. Hein. C'est n'importe quoi. Vraiment, genre, leurs offres, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup. On va ouvrir ce cristal tout de suite. Peut-être qu'on aura du mystique. En tout cas, on pourra monter Hulk Rouge. Donc, on va monter Hulk Rouge. Ça, c'est clair et net. Cristal de gloire. Allez, s'il vous plaît, du mystique. Bon, ça m'étonnerait qu'il nous donne du mystique. Je les vois bien nous donner du science encore. Parfait. Parfait.
Eh bien, Kabam me surprendra toujours. Kabam me surprendra toujours, décidément. Voilà, bah en tout cas, on peut monter les deux. Est-ce qu'on va pouvoir monter les deux au max? Non, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, par exemple, avoir un petit rhino comme ça, c'est cool, ça nous donne de l'iso pour Hulk Rouge, notamment. Je sais comme on a doublé pas mal de persos récemment. Du coup, on a pas mal d'iso de classe, donc c'est assez intéressant. Donc on a 10 SC1. Et on a pas mal de 3 étoiles. 3-3 étoiles. Vraiment intéressant. Par contre, on n'a pas des bons types. Mais bon. On a du cosmique. Donc le cosmique, ça nous servira pour Venom Pool. Voilà. Et ça nous donne des éclats 4 en plus. Donc on a gagné 200 éclats 4, mine de rien, grâce aux 3 étoiles. Sachant qu'on va sûrement pouvoir ouvrir un 3 étoiles. Voilà. Parfait. Du coup, ça va nous faire un 3 étoiles. Enfin, possiblement de l'iso en plus. Est-ce que je l'ai déjà? Oui, Joe Fixit, je l'ai déjà. Je l'ai eu récemment d'ailleurs. Je crois que je l'avais jamais éveillé. C'est ça. Je l'ai eu très récemment, donc ça fait du science. C'est très bien. C'est très très bien. Et du coup, on va ouvrir le 4 étoiles avant de commencer une up. Eh bien, Rocket, je le double. Ok. Éveil de Rocket. Sympa. Sympa, ça se. Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est pas un héros que je vais monter, clairement. Mais voilà, ça fait de l'iso. Ça fait toujours de l'iso. Et du coup, on va aller tout de suite monter nos persos. Super content. Vraiment super content pour en monter. Donc, monter un science et un mystique. Et c'est vraiment. Deux que je voulais vraiment monter. Clairement, je voulais vraiment les monter. Je suis super content. Donc on va juste mettre notre tête ici. Donc je vais juste faire ça et ensuite je vais aller monter l'autre. Comme ça j'aurai monté les deux de rang. Et après le monter de niveau, bah on fera comme on peut. Donc le cosmique, je le garde. Vraiment, je le garde à fond. Par contre, vous voyez, j'ai du science. Et du coup, le science, il va nous servir. Oui, d'accord. Ah, il nous en manque du coup. Il nous manque quoi? Ok, il nous manque deux alphas. Eh bien, on va les acheter. Voilà, on va les acheter. En fait, je voulais pas acheter avant. Comme ça, s'il me manquait quelque chose, je l'achète en direct. Donc, j'achète les deux alphas et on peut dorénavant monter. Du coup, il nous manquera 5 alphas pour monter Venom Pool. Mais bon. Il me montrera également 4 basiques, mais on va les obtenir. On va les obtenir. Là, c'est sûr qu'il va falloir un petit peu de temps avant qu'on puisse monter. Mais voilà, on a le temps. On a le temps, clairement. Donc, on va prendre le science qu'on a ici. Enfin, qu'on a de disponible. C'est bien, on a beaucoup de science, c'est très très cool. Alors c'est pas du gros gros science, mais. Alors, on a un peu du gros aussi. Hein, mais. Bien. Bien, si je peux le monter full avec du gros, c'est cool. Enfin, au moins avec du science pur, c'est vraiment cool. De toute façon, on va lui donner tout le science. Et dès que j'ai plus de science. Écoutez, si on peut le monter qu'avec du science, on va pas s'en priver. Hein. Ça nous enlève tout le science de notre réserve, c'est cool. Hein. Bon, écoutez, eh bien, je suis pour. Je suis totalement pour. Voilà. J'ai juste ça à dire. Je suis totalement pour. Ok. Le petit Hulk rouge qui passe dans mon profil en deuxième position. Et du coup, on va monter du coup Ghost. Très bien. Très 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 bien. Donc ça va être vraiment une super arme pour la GA. Et ensuite Ghost Rider. Donc, Ghost Rider, on a un peu moins de mystique, je crois. On en a très peu. On en a très très peu.
Mais lui, on va le monter plus sur la durée, je pense. On va le monter un peu plus sur la durée. Venompool, il n'y aura aucun problème. Parce qu'on a doublé des cosmiques récemment. Donc il n'y aura aucun problème. Ghost Rider, il y aura un peu plus de problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Voilà. Et du coup, on va prendre le basique. 3, 4, 5. Ça. Sur 45. Bien. Bon allez, on va lui refaire, on fait une tournée. On va regarder si on est au max en termes de gain de niveau. Je sais ça aussi, si on peut regarder pour le prochain. Écoutez. On va se priver. Et là, voilà, on fait au moins cette tournée. On a vraiment beaucoup d'ISO. Beaucoup d'ISO basique, surtout. Ok, on va regarder un petit peu où on en est au niveau du gain de niveau. Oula, attendez. C'est le. Oui, d'accord. On va le prendre. On va le prendre. Je vais juste lui mettre celle-là. Si ça peut le faire monter d'un niveau. Ça va même pas le faire monter. Un peu je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. On a 130 000 d'or. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait vraiment bizarre de descendre comme ça en or. Donc on va regarder un petit peu où on en est au niveau du gain de niveau. Ok, 31 000. Ouais, bon, on va essayer d'aller au bout. Ça fait combien de minutes? 12 minutes. Bon, ça va. Là, ça fait pas une grosse vidéo pour l'instant. Non mais c'est bien, comme ça on augmente un petit peu, on gagne des unités, mine de rien c'est bien, et on gagne des fragments de faille. Et ouais. Et bien on va continuer. On va continuer. Merde, c'est pas ça que je veux. Oui, on va monter aussi Black Panther. Black Panther avec le Virtuose qu'on vient d'obtenir. J'ai vu qu'on avait obtenu le Virtuose, donc autant l'utiliser. Est-ce qu'on n'a pas un tech à monter? Ah mais non, faut pas qu'on use de l'or pour monter les autres. Faut vraiment qu'on monte à fond Ghost. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc genre tout sélectionné ou un truc comme ça. Ça serait plus rapide. Bon, finalement, il monte pas mal. Il monte pas mal. On pourra pas le monter au max, mais on va essayer de lui en donner un maximum d'ISO. On en gagne vraiment beaucoup. Enfin, en fait, j'en ai gagné beaucoup grâce à. Grâce à l'acte 5, à l'acte 4, pardon. C'est vrai que l'acte 4, ça donne vraiment énormément d'ISO basique de haut niveau, de très haut niveau. C'est vraiment cool. Je pense que je vais pouvoir encore faire deux runs complets comme ça. Parce que j'ai pas envie de mettre des trucs d'autres classes. Tout simplement parce que ah, les trucs de classe, c'est vraiment pour la classe. Et ça serait bête d'utiliser par exemple du cosmique. Bon, cosmique, je vais pas l'utiliser clairement. Hein. J'ai Venompool qui arrive. Hein. Mais même du tech, ça serait bête parce que mine de rien, j'ai galéré un petit peu en tech. Et là, maintenant que j'ai monté Star-Lord, il me donne un double tech quoi. C'est un peu bête, mais bon, c'est Kabam, c'est Kabam. Concrètement, Kabam adore faire ça. Mieux pro. Mais bon, ils m'ont donné du catamystique, donc j'en veux. On pourra aller jusqu'à 25 000. Ouais, je peux aller jusqu'à là.
Super, ok. Eh bien, on va aller jusqu'à là et on va s'arrêter. Il est déjà 4740, donc il est déjà presque au-dessus du Hulk rouge. Il est déjà passé au-dessus de Cyclope alors qu'il lui monte en... il lui manque encore 7 niveaux. Hein. Il lui manque 7 niveaux. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc on va gagner tous. On va prendre tout ça. Et voilà. Je pense qu'on est bon. Est-ce qu'on a fini le gain de niveau? Je ne pense pas. C'est dommage hein, quand même. Un petit peu dommage. Est-ce qu'on vendrait pas un peu d'iso? On va garder le comme ça, mais ouais, on va vendre un petit peu d'iso. Du comme ça, est-ce qu'on en vendrait pas un peu? Il reste 3000 points. Ça se fait 3000 points quand même. Ce serait bête de passer à côté quand même. Quand même. Voilà, allez. Après ça, on va aller regarder ce qu'on peut monter. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je peux monter de niveau? Juste. Est-ce qu'il n'y a pas des champions que je peux monter de niveau? Je vais regarder 4 étoiles et 5... Enfin, 4 étoiles. Gain de niveau. Ah, il y en a deux quand même. Bah tiens, il y a Howard. Howard, il y a du tech. Autant lui donner. Est-ce qu'on compléterait pas notre gain de niveau grâce à ça? On va regarder. Lui, on va dire que c'est vraiment le gars pour nous compléter notre gain de niveau. On le complète juste, hein. Là, c'est vraiment mode compléter le gain de niveau. Et eh bien voilà, on l'a complété, super. Voilà, donc j'ai fini le gain de niveau, donc on va s'arrêter là. On continuera, je pense que le prochain gain de niveau, je le ferai. Si j'ai regagné l'or, hein, parce que là, c'est vraiment l'or là qui va poser problème. C'est vrai que j'étais un peu... j'étais bien, j'avais une bonne assise au niveau de l'or. Mais c'est vrai que bah, monter du 5 étoiles, hein, de toute façon, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la mort hein, niveau or. Mais de toute façon, le temps que je regagne des katas, là je vais vous montrer un petit peu niveau kata, parce que du coup... On a perdu 6 katas concrètement. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Pour vous situer, il me reste juste un cosmique à monter. Et dès que j'ai monté Venom Pool, j'aurai monté un de chaque classe. Et après, j'en aurai juste un en virtuose, un en mutant. Et c'est tout. Voilà. Après, je serai vraiment à sec complètement. Et bah du coup, mon objectif sera d'en regagner. Pour monter un deuxième dans chaque classe, voilà. Bah en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon tirage et bah de mes montées également de niveau, de rang et de niveau. Donc je vous rappelle, Hulk Rouge est monté donc rang 3 niveau 45 et Ghost Rider est monté rang 3 et là il est niveau 38. Et je vous montrerai au prochain gain de niveau au max. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un bon jeu. Une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type. Allez, salut, à la prochaine.